Salut les amis, training numéro 6, super cardio, super intense, parce qu'on rajoute la corde à sauter. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur les 3 techniques de base à connaître et à pratiquer également. Et donc maintenant, c'est la mise en application, la corde, on l'intègre à nos entraînements. L'idée de base de ce training, c'est d'avoir juste 3 exos majeurs et de les entrecouper de cordes pour vraiment booster le cardio et très peu récupérer finalement, voire pas du tout. Donc je vous énumère tout ça, 50 levées de genoux à la corde, 25 squats sumo, 50 levées de genoux à la corde, 25 abdos extension de jambes, 50 levées de genoux à la corde et 25 pompes plongées. Pour les squats sumo, impulsion, j'ouvre les jambes, impulsion, je resserre. Pour les abdos, extension de jambes, vous allez voir que la ceinture abdominale travaille vraiment énormément. Si vous n'en pouvez plus, vous passez sur le dos et vous faites uniquement des relevés de buste. Vous décollez les épaules. N'hésitez pas à faire des variantes. Et enfin, pour les pompes plongées, c'est une variante juste un cran au-dessus des pompes hindoues qu'on avait vu au training précédent. La seule différence, c'est que pour revenir en position initiale, on fait le même chemin en sens inverse. Alors, vous allez voir qu'à partir de la deuxième série, pareil, moi, c'est variante directe. Hein. J'en peux plus, je suis exténué parce que le fait de faire l'aller-retour dans le même sens, c'est double travail. Les deltoïdes sont éclatés, les triceps également. Donc, on n'hésite pas à s'adapter. Si vous avez un doute sur les exercices, regardez d'abord la première série parce que les séries qui suivent, c'est n'importe quoi. J'essaie de survivre en fait, hein, tout simplement. Ce training aurait pu s'appeler d'ailleurs « Vomir ou mourir, il faut choisir ». Donc, 3 tours. On prend un carnet d'entraînement, tapis de gym, bouteille d'eau, chronomètre, corde à sauter et on démarre. Ah, je rappelle vite fait avant d'envoyer, si vous n'avez pas de corde, vous faites des levées de genoux. Ce n'est pas une excuse le fait de ne pas avoir de corde. Donc, 3 tours, c'est parti.